Un enfant perdu dans une forêt dense, obscure, sombre, hostile. Un vieillard égaré lui aussi. Le vieillard égaré rencontre l'enfant perdu. Ils décident de faire chemin ensemble. Ils se prennent par la main et ils marchent. La nuit tombe. Le vieillard partage le reste de nourriture qu'il a avec l'enfant. Et ils se blottissent l'un contre l'autre. Pour s'endormir dans la forêt, dense, obscure, sombre, hostile. C'est le matin. La lumière apparaît à travers les arbres. Le vieillard et l'enfant se réveillent. Ils se prennent par la main et ils se mettent à marcher. Le vieillard choisit une direction. Il se retourne vers l'enfant et lui dit « Quel est le nom de ton village ?» L'enfant répond et le vieillard sourit. « C'est curieux, c'est le même nom que mon village. C'est là où je vais. Alors partons, c'est la direction. » Ils se mettent à marcher. Ils traversent des fondrières, des racines, des branches. L'enfant, lui, il a peur de tout. Le cri des oiseaux, les serpents, les lianes. Le vieux le rassure. Il lui tient fermement la main et il marche. Le vieillard cueille des fruits, ramasse des escargots, donne à manger à l'enfant. Et l'enfant pense... C'est curieux. Il dit venir du même village que moi et pourtant, je ne le connais pas. Il marche. Il marche. Le vieillard se retourne rarement vers l'enfant. Il lui tient fermement la main. « Es-tu sûr que nous sommes dans la bonne direction ?» demande l'enfant. « Oui, oui, » répond le vieillard. « C'est impossible que je me trompe. » Il marche maintenant dans une forêt inextricable. L'enfant tremble. Il a peur. « Tu es sûr que nous sommes dans la bonne direction ?»« Oui, oui, c'est impossible que je me trompe. » répond le vieillard. C'est curieux, pense l'enfant. Il était perdu. Comment s'est-il perdu puisqu'il sait la direction? Il marche encore. Combien de temps a-t-il marché? L'enfant est épuisé. Il tremble de froid, de faim, de fatigue. Es-tu sûr que nous sommes dans la bonne direction? Oui, oui, répond le vieillard. C'est impossible que je me trompe. Il marche encore. Et puis tout à coup, les arbres s'écartent. Une clairière apparaît. Regarde, dit le vieillard, voilà notre village. Nous sommes arrivés. Le vieillard et l'enfant entrent dans le village. Les gens du village se précipitent vers le vieux. Ils sont étonnés de le voir. Émerveillés, ils retrouvent quelqu'un qu'ils pensaient avoir perdu. L'enfant, lui, personne ne le regarde.
Personne ne le reconnaît. Il voit la maison de sa famille, là où il était la veille. Mais il ne reconnaît personne. Il demande des nouvelles de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, mais personne ne lui répond. Personne ne l'écoute. Il attrape la jambe d'une femme qui passe devant lui, mais sa main ne prend que de l'air. Il regarde le sol. Son corps ne projette aucune ombre. Il se met à crier. Il a peur. Il regarde autour de lui. Et maintenant, tout le village est rassemblé autour du vieux. On écoute le récit de son voyage. Lui, il saute sur le feu. Il fait des gestes, il crie, il hurle. Mais rien ne bouge. Il ne fait même pas trembler l'air. Pas de flamme, pas de cendre, pas de sable. Alors il se dirige vers la mare. Il s'agenouille. L'eau est comme un miroir. Il ne voit rien d'autre que de l'eau. Le vieillard s'approche. Il s'agenouille à côté de lui et son image apparaît dans l'eau, là où l'image du garçon aurait dû apparaître. Il prend de l'eau dans les mains et il se passe l'eau fraîche sur le visage. Une vieille femme s'approche et s'agenouille à côté du vieillard. Elle prend de l'eau et se met à lui masser les épaules et elle lui parle doucement. L'enfant regarde la scène. Demain, tout sera plus clair. Et juste avant de s'endormir, l'enfant entend la femme demander au vieillard : « Dis-moi, tu n'as rencontré personne ? Pendant ton voyage ? » Et le vieux répond « Non, non, personne. » Aux portes du désert, il y a une ville. Un tyran gouverne cette ville. On lui annonce une famine sans précédent. Alors, pour sauver sa ville et son peuple, il décide d'exterminer toutes les bouches inutiles. À commencer par les vieux. La rumeur fait trembler la ville. Elle se répand jusqu'aux portes du désert, dans les camps nomades. Tuer un vieux ? Impensable pour un Touareg, insupportable pour Ali. Ali a 20 ans, l'âge de la première caravane. Dans la pénombre de la tente,
Ali regarde son grand-père. On ne voit que les yeux qui brillent, tout le reste est caché par le chèche noir. Le désert, le mystère, son grand-père lui a tout appris. Comment lire le sable, les étoiles, les chameaux. Premier thé. Amer comme la mort. Son grand-père, ce n'est pas seulement une bouche à nourrir. Partir, le laisser derrière lui, c'est le condamner. Deuxième thé. Doux comme la vie. Pour Ali, partir c'est vivre. Alors pour qu'un jeune vive, un vieux devrait mourir ? Non. Troisième thé, sucré comme la vie. Ali sourit à pleines dents. Comme un enfant, il a un plan, il a son idée. Quatre-vingt-dix-neuf chameaux. Trois hommes, c'est la règle pour une caravane de sel chez les Touaregs. Mais qui pourrait se douter que sur le chameau de tête, dans un sac de cuir accroché négligemment, il y a le trésor d'Ali, son grand-père. Celui-ci est là, recroquevillé sur lui-même. Retenant son souffle, il se fait oublier. Discret. On a entravé la gueule des chameaux, on les a fait brouter. S'ils ne ruminent pas, ils peuvent tenir des jours et des nuits, sans manger, sans boire. Pour les hommes, ce sera quelques gourdes d'eau, et puis des fruits secs et la marche. Camel walk. Oui. Des jours, des nuits, au rythme déhanché des chameaux. On économise tout. Les paroles, l'eau, la nourriture. Et le temps s'étire. Et qui aurait pu prévoir ce qui va se passer dans cette histoire? Même pas le vieux, dans son sac de cuir. Des pillards, des coups de feu, les deux hommes morts, les chameaux volés. Comment Ali s'en est-il sorti? Il ne le sait pas lui-même. Comment il a pu échapper avec son chameau, son grand-père? Maintenant, il faut fuir. Effacer les traces, disparaître dans le désert. Tous les repères ont changé, mais Ali veut s'en sortir tout seul, sans l'aide de son grand-père. Il regarde le ciel, cherche à lire les étoiles. Il faut marcher vers le sud, traverser le désert. C'est la seule façon de s'en sortir. Il va falloir tenir. De temps en temps, Ali montre la gueule du chameau à son grand-père. Il sait que si la soif le prend,
le chameau est capable de sentir l'eau à 10 kilomètres à la ronde. Mais le vieux dodeline la tête, non. C'est trop tôt. Il faut tenir. Marcher. Maintenant, les gourdes sont vides. Il n'y a plus rien à manger. De temps en temps, Ali présente la gueule du chameau à son grand-père, mais celui-ci dodeline de la tête. Non, c'est trop tôt. Il faut tenir. La fatigue pénètre dans le corps d'Ali. Même le sommeil devient difficile. Le chameau aussi souffre. Présente la gueule de la bête à son grand-père, mais non, c'est trop tôt. Alors, avec la fatigue, Ali sent le doute s'immiscer en lui. Et si le vieux n'avait plus toute sa tête? Le vieux descend du chameau, s'agenouille et goûte le sable. Il sourit. Il regarde Ali, s'allonge sur le dos et meurt. Ali comprend le message de son grand-père. Il se penche sur lui. Pardon. Pardon d'avoir douté. Ali prend la gueule du chameau. Il agenouille la bête. Et doucement, lentement, il lui retire l'entrave autour de sa gueule. Le chameau semble se réveiller d'un long sommeil. Il dodeline de la tête. Et puis, il se met à marcher. D'abord doucement, et puis le chameau galope, 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 remonte les dunes, redescend les dunes. Ali le voit au loin, il regarde son grand-père, il creuse un trou, fait glisser le corps, le recouvre de sable, le salue, et il court après la bête. Il ne faut pas la perdre de vue. Il monte les dunes, les redescend, voit la bête qui apparaît, disparaît. Il la suit aussi vite qu'il peut. La nuit tombe. Le chameau s'arrête net. Il se met à gratter le sable avec sa patte et avec son museau. Il semble danser dans l'air. Alors Ali s'approche. Avec la force qui lui reste, il dégage le sable
et il met à jour une énorme pierre plate. Il la soulève. De l'eau. Il ne peut pas la voir, mais il la sent, la fraîcheur inonder son visage. Alors, une gourde, une corde, et l'eau retrouve son chemin dans le corps d'Ali et dans celui du chameau. Ils sont sauvés. La soif est vaincue. Chez les Touaregs, on raconte que la ville de Tombouctou s'est construite autour du puits d'Ali. Mais le vieux, le grand-père, qui savait lire en goûtant le sable, ce mystère-là, ça, c'est une autre histoire. Il était une fois deux frères qui travaillaient dans la forêt, l'aîné et le cadet. Ils ramassaient du bois mort, ils en faisaient des fagots et ils les revendaient au village. C'était leur travail, c'était leur vie. Un jour, ils ne trouvent rien. Pas de bois mort, pas de branches cassées, rien. Ils marchent, ils s'inquiètent, ils ont faim. Puis tout à coup, une clairière. Et là, dans la clairière, une branche cassée. Une seule. Une branche pour deux, c'est peu. L'aîné est plus rapide. Il empoigne la branche et la dispute commence. Il se frappe. L'aîné prend la branche et frappe le cadet avec une telle force qu'il tombe sur le sol, mort. L'aîné prend le corps de son frère. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire de cet accident. Il ne sait pas quoi faire de ce corps. Il ne sait pas quoi faire de ce mort. L'aîné, avec le corps du cadet dans les bras, se met à courir vers le village. Il montre le corps à tout seul. Ils sont là. Mais les gens ont peur, ils ne savent pas quoi faire de cet accident. Ils ne savent pas quoi faire de ce mort. Que faire de ce corps? Que faire de ce mort? Alors on lui dit d'aller sous le grand fromager, là-bas, à l'extérieur du village. On va réfléchir. Si tu as faim, tu appelles, on te donnera à manger. Et le temps passe. Le garçon attend. Le vent se lève. Un vent fort, puissant. Le garçon a faim, alors il l'appelle. Mais au village, à cause du vent, personne ne l'entend. Et puis le vent se fait tellement fort qu'il décoche une branche du fromager qui tombe au pied du garçon. Et puis une autre branche qui tombe sur la première. Hé, c'est beau ça, ça fait du son.
Le garçon prend les deux branches et il les tape l'une contre l'autre. Il les frappe et c'est beau, ça fait du son. Alors il se met à frapper. Et là-bas, malgré le vent au village, on l'entend. Alors on vient, on lui apporte à manger. Et le temps passe. Quand le garçon a faim, malgré le vent, il frappe, on l'entend, on lui apporte à manger. Tiens, un corbeau qui vient se poser là devant le garçon. Et puis un autre corbeau qui arrive. Ils se disputent. Ils se frappent à coups de bec, à coups de griffes. Ils se battent à mort. Un des corbeaux tombe sur le sol. L'autre se met à creuser. Il fait rouler le corps du corbeau dans le trou. Il le recouvre de terre. Et le corbeau se met à taper la terre avec ses pattes, frapper l'air avec ses ailes. Et puis, il pose son bec vers le ciel et il se met à crier. Il tape la terre avec ses pattes, il frappe l'air avec ses ailes, il crie avec son bec vers le ciel. Et des corbeaux par dizaines arrivent et viennent se poser avec lui dans la clairière. Et les corbeaux frappent la terre, battent l'air avec leurs ailes et crient vers le ciel. Comme une danse, les corbeaux frappent, tapent, crient. Et puis, ils s'envolent et ils disparaissent. Oh, le garçon comprend. Il creuse la terre. Il fait rouler le corps de son frère mort. Il recouvre le corps de terre. Et il se met à taper la terre avec ses pieds. Il se met à frapper les deux baguettes l'une contre l'autre. Et c'est beau! Alors il se met à chanter. Que faire de ce corps? Que faire de ce mort? Que faire de ce corps? Que faire de ce mort? Là-bas au village, tout le monde l'entend. Alors on vient, on le voit. Et c'est beau! Alors tout le monde se met à danser, à frapper des mains et à chanter avec le garçon. Hé! Hey, que faire de ce corps? Que faire de ce mort? Que faire de ce corps? Que faire de ce mort? Que faire de ce corps? Que faire de ce mort? Que faire ce corps que fait de ce mort. Et puis, tout le monde retourne au village. Certains disent que c'est depuis ce jour-là qu'on enterre les morts. D'autres disent que c'est depuis ce jour qu'on frappe la terre, les mains, qu'on joue, qu'on chante, qu'on danse pour apaiser la douleur.